Je vais faire réagir à un de nos abonnés de Dakar sur les statuts et sur un cas bien précis. C'est lui de gardien des buts. Parce que c'est le débat, effectivement, au Sénégal. Est-ce que vous pensez que Mori Diaw, le gardien de Clermont, par exemple, qui est en forme, doit prendre la place d'Edouard Mendy? Là, on est sur du concret. Ouais, là, on... Ça, c'est la grande question. Quand on gagne, quand on est entraîneur, on gagne avec un groupe, est-ce qu'on est bien placé pour expliquer ensuite à ces cadres que leur place irait peut-être sur le banc au détriment des nouveaux et des plus jeunes? Est-ce qu'on est bien placé pour ça? Est-ce que Aliou Cissé peut avoir ce courage-là de regarder certains cadres et leur dire « il y a un petit jeune qui est pas mal, j'aimerais l'installer ». Je pense qu'il l'aura, mais c'est difficile, c'est compliqué parce que c'est vous faites grandir les joueurs, mais dans les victoires, ils vous font grandir aussi. Donc, effectivement, à un moment, leur dire, ça fait partie du job, mais c'est plus difficile avec ces joueurs à qui vous avez une aventure assez longue. Mais Regardez ce qui est arrivé à Djamel Belmadi. Il s'est pris les pieds dans les tapis à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est après qu'il a pensé à renouveler son groupe. On a toujours peur d'y aller trop tôt, d'y aller trop tard. Oui, ça, c'est trop tôt, trop tard. Mais pour revenir aux deux, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy, j'ai commenté des matchs. Et c'est vrai que à un certain moment, Kalidou, il m'a fait un petit peu peur. Comment ça? Je l'ai vu jouer. Il s'est bien repris depuis, mais je me suis dit, aïe. Est-ce que c'est l'adaptation au championnat qui est un petit peu compliquée? Est-ce qu'il va retrouver son meilleur niveau alors que lui, dans les deux, il était très fort, impassable. Ah, ça ne doit pas être ça l'excuse. Hein. Non, mais même vous venez de Chelsea, on n'a pas besoin de vous adapter à l'Arabie Saoudite. Il n'a pas beaucoup joué. Ouais. Il n'était pas formidable. Il n'avait pas la confiance. Et là, effectivement, il n'avait pas retrouvé encore toute Il n'est pas entouré pareil aussi. Ouais, donc vous n'êtes pas seul à jouer. Hein. Voilà. Vous avez du monde autour de vous. Les conditions, c'est pas les mêmes. Quand tu joues à 40 degrés, c'est plus compliqué. Alors pour Edouard Mendy, j'ai vu qu'il a pris quelques buts. C'est l'aventure, c'est mal terminé à Chelsea. Voilà, il va falloir que mentalement, parce que la concurrence, elle pousse derrière aussi. Cédric. Non, je pense que sur cette question. Ouais. En sélection, c'est la vie d'un joueur. Vous avez connu des histoires de sélection, notamment au Mali. En sélection, ça se passe pas comme en club. Au statut. En club, ça bouge plus. Vous avez la compétition chaque semaine. Là, vous partez sur un groupe. Il faut créer une dynamique. Et parfois, le statut d'un joueur et la complémentarité et la symbolique est presque plus importante que le niveau réel des joueurs. Ah. C'est pour ça qu'il y a des sélections. Et ben, il y a des joueurs qui sont meilleurs que d'autres, mais ils sont laissés à la maison. La France a connu ça dans les années 90 pour leur premier titre mondial. Vous passez d'Eric Cantona et vous prenez Stéphane Guivarch, quand même, qui n'est pas du niveau. Mais parce qu'il faut construire un groupe. Et quand vous êtes en sélection, on peut dire, voilà, peut-être Mori Diaw est meilleur sur ces derniers mois. Mais voilà, comme a dit Samuel, le coach, il a gagné avec Mendy. Donc il y a un message à faire passer, il y a les coéquipiers, il y a des adversaires, il y a des officiels. C'est un tout, en fait. Il y a un tout, il y a quelque chose de global dans la sélection, et ça, il faut absolument y penser. Votre regard là-dessus, quand on était champion d'Afrique, qu'on cherchait ce titre depuis longtemps avec un groupe, est-ce qu'on peut leur expliquer à certains que ça serait bien de faire un petit tour sur le banc? Oui, mais après, je pense que c'est les professionnels aussi, ils peuvent le comprendre aussi. Hein. Aujourd'hui, t'es capable de faire toi-même ta propre autocritique. Si t'es moins bon, tu le sais. L'abonné nous a dit, Aliou, lui, il vit avec des convictions. C'est un homme des convictions. Il vient avec des convictions. Ah, aujourd'hui, Mori Diaw, c'est un gardien qui fait de très bons matchs et il dégage beaucoup de sérénité. Ouais. Moi, je l'ai vu contre l'Algérie où il m'a beaucoup impressionné. Ouais. M'a beaucoup impressionné. Mais Cédric l'a dit, hein. T'as gagné la CAN avec Edouard, t'as gagné la CAN avec une certaine défense, avec des certains cadres. Faire des choix difficiles comme ce choix de gardien, parce que si tu changeais un joueur. Hein. Un gardien, c'est différent, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que s'il y a beaucoup d'internationaux, à 31, 32, quand ils voient qu'ils sont un peu en dessous, de même ils arrêtent parce que ils savent très bien que ça pousse trop fort derrière. Ouais, mais et la sélection, c'est aussi une image. Il est arrivé tard, Edouard Mendy. Ouais. Il est arrivé en 2018, je crois. Donc ça fait que 4 ans. Il est arrivé après 2018. Après. Il n'est même pas parti à la Coupe du Monde. Oui, après, il arrive. Ouais. Donc ça fait que 4 ans qu'il est en sélection. Donc forcément, pour lui, c'est pas comme s'il y était depuis une décennie. Il dit OK, je passe mon tour. Maintenant, c'est. Et puis, Mori Diaw, il a quel âge? Il a juste un an de moins que lui. Donc forcément, ils sont vraiment en concurrence. Ils sont vraiment en concurrence. Il n'y en a pas un qui peut attendre que l'autre parte.
Moi, sur ce que je vois, alors je vois pas tous les matchs du Ali de Jeddah dans le championnat saoudien, même si Sam les commente, mais j'ai vu quelques belles boulettes hein, d'Edouard Mendy. Il a un problème de confiance et la préparation va être hyper importante pour lui. J'ai vu quelques belles boulettes, alors que Mauridio, avec Clermont, pour le coup, lui, il est chaud, parce qu'à toutes les journées de championnat, il est fusillé de partout. Ouais. Donc, voilà, ça c'est, on voulait juste prendre un exemple des dilemmes qui se profilent hein, pour Aliou Cissé. Peut-il, doit-il changer certains cadres dans cette équipe du Sénégal. Voilà, messieurs, on a fait un petit tour hein, sur les champions d'Afrique en titre. Oui, bonjour, c'est Nartagay depuis Dakar, supporter de l'OM. Bonjour. Donc, pour revenir au choix de Aliou Cissé, en fait, si on dit que dans le football, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des convictions, Aliou, il marche avec des convictions très, très fortes. Même là, il a gardé ses hommes, et même s'il a changé de système en mettant en le 3-4-2-1, c'est pour mieux utiliser ses cadres. Parce que voilà, on a vu un Sadio Mané qui a un peu plus de difficultés pour jouer sur le côté, donc il le met un peu plus intérieur et profiter aussi de l'apport de ces deux couloirs. Et pour revenir au choix de gardien, ok, Mourinho fait deux saisons excellentes avec Clermont depuis l'an dernier. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, si Edouard Mendy il va à la CAN, il y va pour être titulaire parce que c'est un cadre, il a un statut. Donc c'est pas facile de le mettre sur le banc pour mettre Mourinho parce que il fait partie des cinq cadres de cette équipe-là. Donc je vois difficilement Aliou Cissé le mettre sur le banc au niveau de la CAN. Ce n'est pas facile de le mettre sur le banc. Effectivement, on est actuellement au Sénégal. Il y a débat au poste de gardien de but. Edouard Mendy d'un côté ou alors Mauridio. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de débattre à ce poste de gardien de but. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, actuellement, il y a débat au poste de gardien de but dans la sélection du Sénégal, dans la tanière des Lions de la Teranga. Beaucoup estiment que Edouard Mendy ne doit plus être le gardien titulaire à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Beaucoup estiment que c'est Mauridio, le gardien de Clermont Foot en Ligue 1, qui devra prendre la place de Edouard Mendy. Et toi, quel est ton avis en commentaire? Est-ce que tu penses que Edouard Mendy doit laisser sa place à Mauridio? Est-ce que tu penses que Aliou Cissé doit faire les choix forts en écartant Edouard Mendy au détriment de Mauridio, les amis? Donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis en commentaire. Moi, je pense que, les amis, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Lorsque tu as un gardien qui t'a fait remporter la CAN, c'est très difficile de dire à ce gardien que non, je ne te fais plus confiance et tout. C'est compliqué. Je me mets aussi à la place d'Aliou Cissé. Je me mets vraiment à la place d'Aliou Cissé et tout. Dis à Edouard Mendy que tu n'iras pas à la CAN. C'est un peu trop dur, je trouve. Après, derrière, tu as Mauridio qui est performant avec Clermont Foot. Lorsque moi, je regarde souvent les matchs de Clermont Foot, il fait des arrêts. C'est lui qui maintient souvent Clermont Foot en vie et tout. Et derrière, tu as Edouard Mendy qui fait souvent des bouts, notamment en Arabie Saoudite, qui est moins bon ces derniers temps. Après, c'est un cadre. C'est un cadre du Sénégal. Est-ce que tu vas t'en passer d'un cadre, de l'un de tes cadres? C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que Aliou se doit faire? Pour moi, Aliou, s'il appelle Edouard Mendy, c'est pour le titulariser. Moi, je ne vois pas vraiment Aliou Cissé faire venir Edouard Mendy et le mettre sur le banc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Moi, je pense que s'il fait venir Edouard Mendy, c'est pour le mettre titulaire parce que c'est quand même un vétéran. C'est quand même un cadre. Et Mauridio, malheureusement, il va attendre. Et ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'est que les deux gardiens ont déjà la trentaine. Donc, ce n'est pas comme si Mauridio, les amis, il a peut-être 22 ans, il pourra peut-être patienter que Edouard Mendy prenne sa retraite pour enfin prendre le poste de gardien de but. Il a 30 ans,
il n'y a plus le temps pour attendre. Donc, les deux sont vraiment des concurrents très directs. Et j'ai hâte de voir comment Alphonse va gérer ce cas. Mais je pense qu'il ira à la CAN avec Edouard Mendy. Même quand beaucoup estiment qu'Edouard Mendy, il commence déjà à être moins rassurant et tout. Mais je trouve que lorsque tu as quand même Edouard Mendy derrière, tu es rassuré. Si moi, je suis défenseur, derrière moi, j'ai Edouard Mendy, je suis rassuré. Si je suis Sénégalais, derrière, quand il sait qu'au goal, tu as Edouard Mendy, moi, je trouve que tu es plus rassuré d'avoir Edouard Mendy que d'avoir Mourinho dans les buts, notamment en CAN. On sait que la CAN aussi, c'est de l'expérience. Ce n'est pas juste avoir du talent. Derrière, il faut aussi un gardien expérimenté, un gardien qui a l'habitude de jouer des matchs à pression, à haute pression même, parce que lorsque tu joues un match de CAN, un huitième de finale, un quart de finale, ça n'a rien à voir avec le championnat. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec le championnat. Lorsque tu joues un huitième de finale, c'est un but sur, comme on dit. On t'élimine, tu rentres chez toi. On te gagne, tu rentres chez toi. Donc, tu vois. Et la moindre bourde peut faire éliminer ton équipe. C'est pour ça qu'il faut un gardien rassurant, un gardien d'expérience, un gardien qui a l'habitude de jouer ce genre de match. Et moi, je pense que pour le coup ici, Edouard Mendy, il a l'habitude de jouer ce genre de match. Des matchs à haute pression, des matchs qui a beaucoup d'enjeux. Il a remporté une Ligue des Champions avec Chelsea. Il a joué en Premier League. Donc, il connaît la pression. Il sait comment supporter la pression. Contrairement à Mourinho, qui joue en Ligue 1. Fed, qui a un très bon championnat. Mais est-ce que Mourinho est habitué à la pression chaque semaine? Ça n'a rien à voir avec... Clément Fou n'a rien à voir avec peut-être Chelsea en termes de pression. Donc, Edouard Mendy connaît la pression. Et moi, je pense que pendant la CAN, il te faut un gardien quand même d'expérience qui connaît la pression, etc. Donc, moi, je pencherais plutôt sur Edouard Mendy, même comme ses performances sur le plan intrinsèque restent à désirer. Et toi, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Alphonse doit plutôt prendre Mourinho ou alors il doit continuer à s'appuyer sur Edouard Mendy? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.